J'imagine que quand il sera au maximum, son talent force énergétique, ça va être bon. On s'est riflard, on s'est riflard. Moi j'utilise mes Pokémon favoris, fait que c'est normal que j'ai tendance à vouloir utiliser un Pokémon qui est fort, mais quand que je sais pas exactement à quoi m'attendre, je peux pas savoir si mes choix sont bons. Je le sais pas. Tant que j'ai pas vu le tableau, je peux pas le savoir. Je suis dans l'ignorance. Ah maudit, faut que ça soit des barrières, c'est bol. Donc, il y a des sens, oui, mais bon. C'est tellement méchant comme niveau. Je vais passer mon dernière phase de l'étrain est au niveau 2 en passant. Bon, j'ai pas de super talent à lui donner parce que moi j'entraîne mon Bruvent pour le Poké Circuit pour l'instant. Là j'ai plus de change de talent, plus de super talent à donner à quelqu'un là. Ni de. Ouais, c'est ça. Et puis pour les changements, je vais les garder pour les compétitions. Voir les Pokémon qui en auront besoin. Bon, ça fait déjà au-delà de 5 fois que j'ai essayé sans item Boscara et je manque toujours de quelques mille. Je pense que je vais le faire avec plus 5 pour ce niveau, juste pour le passer.
Au-delà de 35 000 PV, c'est énorme. Pour ce Pokémon, oui, oui, oui. En tout cas, je vous causais un retard d'entrave pour ça. Ben, c'est pas un retard d'entrave, mais je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai fait plus 5. Pour moi, c'est coup plus 5 que j'ai fait. C'est 9% pour la lourde capture par défaut. Bon, 18. J'ai oublié ça. Ça ne va pas que je vais pas encore échouer. Là, c'est ça, là, c'est que là, ça fait mal, là. On dirait que même si tu fais coup plus 5, ça marche pas en tout. Non, on dirait que le jeu, des fois, là. Je fais exprès pour pas que je l'aille. Je suis là, je suis tout près de le battre, ben il y a encore des PV ici. Je suis qu'avec coup plus 5 que je peux réussir. Bon, enfin, j'ai réussi cette fois-ci. Bon, manquer un talent lors de mon essai précédent. Bon, au moins, cette fois-ci, je l'ai. Grâce à dernière force. J'avais pas l'opportunité d'en faire dernière force. Lors des 4 derniers tours, lors de mon essai précédent. Parce que j'aurais pu obtenir un autre talent. Bon. Oh. C'est le Mega Blizzard Roi. Oui, oui, oui. Vraiment? Mega Blizzard Roi? Je l'ai déjà. Mais que va-t-il se passer? Bon, maintenant, allons-y pour le niveau 620. Blizzard Roi. Quel genre de prix que je vais avoir à la place de la Mega Évolution de Mega Blizzard Roi, vu que je l'ai déjà, sa gemme? Oui, j'ai déjà sa gemme à lui. Moi, j'ai envie d'utiliser tous les items pour essayer d'avoir mon rang S. Ça vaut la peine vu qu'il y a un Pokémon ennemi, puis après ça, c'est très, 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 très difficile de le battre sans item. Ah oui. Ça donne de même pour l'instant, là. Ah, on met quand même une coupe de combo pour commencer, si c'est pas pire.
Et ça commence. Encore le reste de justice, tant mieux. Je voulais utiliser mes Pokémon de type de combo pour voir l'effet que ça va faire avec le combo costaud. Quand même un bon résultat. J'avais peur qu'il me fasse pas plus que 10 combos, sinon je l'aurais frappé. Bon, voici ce que je gagne. Un niveau pour avoir battu Mega Blizzard. Et je gagne un niveau. Max. Bien sûr, c'est le fun, ça. Donc c'est ça, à la place de sa gemme, je reçois un niveau max en bonus. Bon et voilà, c'est fini pour le niveau 611 à 620. Ben là, ce que je vais faire, c'est aller me rechercher d'autres pièces parce que j'en aurai pas assez pour aller me rendre jusqu'à 630. Et ainsi de suite. Donc si j'ai le temps... en fin de semaine, ben j'en ferai d'autres niveaux normaux. Jusqu'à temps que je me rende jusqu'au niveau 650. Bon ben sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois.